Après ce malheureux échec, le stream du futon revient. Cette fois, c'est peut-être pas pour se faire casser le cul. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour YouTube. C'est un plaisir. On va encore se faire mouliner le fion. Alors, que je fasse pas la connerie, charger. Hop. Alors du coup, j'ai dû charger en arrière, hein, parce que c'était un vrai massacre. Mais un vrai de vrai. C'était con, hein, parce que j'avais bien réussi la partie où je m'étais bien démerdé. Mais bon, voilà, quand je me tape une petite armée sur le fion... Non merci, quoi. Donc j'ai rechargé en arrière. Vous allez voir où on en est. On va voir si je peux pas faire mieux cette fois-ci. Institut de guérilla, d'accord. On était juste avant de... Je disais que je voulais pas aller faire la mission. Et du coup, on est allé la faire. Mais on va aller se faire un petit coup de guérison rapide pour patienter comme des lâches. Allez. On va pas perdre de temps, on va essayer de faire ça proprement. Et... bon, après le projet Avatar n'est qu'au niveau 3. Pareil, mais c'est très intriguant. Ça c'est cool. Je peux pas faire l'armure. L'armure, il me faut de l'alliage extraterrestre. 6 jours cette pour les armes gosses. Nous donner accès à de nombreuses applications extrêmement utiles. Mais donc, là, je patiente. Y a que ça qu'à faire. On nous informe... Ah, voilà. A attaqué une voie de ravitaillement de quoi arrêter de patienter. Nous pouvons récupérer des matériaux. J'irai me faire la mission quand le projet Avatar sera 3... Enfin, sera 4 ou 5. Faudrait que je puisse améliorer mes soldats avant. Caporal, sergent... Ah, j'ai déjà un sergent. T'es mon plus haut niveau, toi. Docteur du bonheur. Docteur bonheur, c'est bon, ça. J'ai pas des recrues. Mon ranger est le plus haut. On va faire passer des recrues. Ouais, j'ai des recrues. Allez. Deux recrues, deux bons soldats. Partie de chauffe. J'ai pas vu les difficultés. C'est bon, on peut y aller. Il est temps de passer à l'action. Les résistants ont attaqué un train d'Advent qui traversait une région isolée. Et ils ont laissé une grande partie de sa cargaison. Je peux augmenter encore mon niveau, d'entrée. J'ai l'impression de... pas m'entendre sur le chat, sur le stream. C'est fou. Pourtant, je m'exprime bien. Et on n'entend pas. C'est quoi cette arnaque? Si là, j'augmente. Oh bah oui, là je m'entends bien. Bien trop. Let's go. Voilà. Il faudrait que j'aille. Non, j'étais déjà à fond. Sécuriser la zone et éliminer l'ennemi. J'ai pas vu ce qu'il fallait faire, neutraliser toutes les cibles. Essayer de garder les ressources. Pas de soucis, frère. Pas possible, on va te faire ça bien. Stepping off.
essayer de s'infiltrer le plus possible. Dans l'implantation de branches d'ADN humain, ces créatures que nous appelions allumettes nous montrent aujourd'hui leur vrai âge. Allumettes. Une espèce purement reptilienne. Allumettes. Les extraterrestres n'aient ils sont juste là. Qu'ils se cacheraient. Crochez pas des tourelles. Nous ignorons encore si elles sont vies ou quoi. Ouais, non, mais c'est bon, on a déjà joué avec ces mobs-là. Hein. Calmez-vous. Ah, et du coup ils se sont barrés, ça c'est cool. Hop. Putain, il y en a encore là. J'en ai vu pas beaucoup. Ce qui fait chier, c'est qu'il y a des ressources juste à côté. Ok, toi tu vas là. On va aller capturer la tourelle. Et on va ouvrir les hostilités, il va falloir. 66%, allez, soit cool le jeu. Yes, putain de bordel. Waouh. C'est réglé. Faisons en ligne de mire. Ah, ils m'ont repéré du coup, merde. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, il se replie comme des petites tapettes. Roger, I've got my eyes on. Bon bah on bourre. Ah non, je vais me mettre en vigilance. Ah, tu peux jouer deux fois avec la tourelle. Utilité sur 100. Elle est où ma vigilance? De chance, c'est ridicule. Non, merde, je tire sur ma tourelle. Raté. C'est lui que je veux toucher. Ah, vous êtes sérieux, les gars? Ah, si, touché. Chez eux, je les vois pas tous. Ils ont détruit leur tourelle. Qu'est-ce que tu fais, toi? Comment oses-tu? C'est pas très beau à voir. Salope! I'm spotted. Bon, dommage. Ça le tue pas, j'espère qu'il va pas me défoncer ma recrue. D'autres dégâts, yes. Panique. Défonce-le. Ouais, merci. Et bah voilà. Bah joli, hein. Franchement. Move de l'équipe adverse. Ok. Shoot, hein. Chut, calme-toi. Verstanden, bewege mich zum Ziel.
Ça marche. Ouais, tu vas quand même se replier là au cas où. Je peux peut-être lui balancer une petite grenade dans la gueule. Grenade. Allez. Déguste, fils de chien. Dommage. Mais ça... yes. Non. Ça fait deux fois qu'elle soit capturée. Qui a un medikit? Bah c'est toi le médecin. J'ai l'impression d'être un toast. Allez. De machette. Paf! C'est un critique. GG les poteaux. Bien fait. On va essayer de faire ça bien. Ouais, j'ai eu un freeze dans le retour. Je suis inquiet pour la qualité du stream. Move. Un officier, un soldat, un mec à l'épée. Ok. I take it. Ah, fait chier, j'ai plus de grenades. De là, j'ai peut-être un bon angle pour lui jeter une grenade. Hop. Yes. Grenade. Ok. Toi, tu vas te rapprocher gentiment. 77. Ça se passe comme ça. Yes. Il va marquer le fils de chien, mais tu vas pas pouvoir me tirer dessus là. Non. Il vous fait enculer, il y a un véhicule entre nous. Allez, juste dans le mal. Ouais, elle est pas morte. Ça c'est cool les gens. Bah non, t'as des lunettes. Se rapprocher. Non. Oh putain! Panique annulée. Ok, yes. Ouais, ça touche pas. Allez, bourre. Touche. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr de mon kill. Paf! Yes! Putain, ça s'est affreusement bien passé, genre.
Oh. Bon bah personne sera mort. C'est déjà ça. Et je pensais pas qu'en piratant la tourelle je me ferais repérer. En fait, elle est juste dans le champ de vision de l'ennemi, j'avais pas fait gaffe. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça s'est bien passé. Ah, docteur Bonheur qui est dans le mal. Docteur Bonheur est en vie quand même. Ça, c'est cool. Ah, des promotions. Oui, s'il vous plaît. Attaque furtive. Direct. Ah yes, un spécialiste. Ah, toi t'es devenu... Bah c'est cool ça. C'est cool, cool. La vipère. Ok. Elle est où mon énergie? Je la vois pas, je peux peut-être la voir dans le retour. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous demander, docteur, mais... Que faites-vous? Tu manges plus d'énergie. Juste. Pendant un temps, j'ai travaillé comme biochimiste dans l'industrie pharmaceutique, surtout dans les techniques de production de vaccins. Comme j'avais de l'expérience, Advent est venu me chercher pour travailler dans l'un des tout premiers centres de thérapie génique. J'ai vu de mes propres yeux de quoi leur technologie est capable, en bien ou en mal. Alors nous avons de la chance de vous compter parmi nous. Calcul du... Lol. Ah, le ferme ta gueule qu'on lui a foutu. Ah, yes! L'institut de guérilla est opérationnel. Oui, ça c'est cool. Ah, c'est entraîner une recrue. Spécialiste. Taille de l'escouade plus 1, je le prends direct. 125 ressources. Allez, et je touche plus à rien. Et là, faudrait peut-être que je me lance dans le... dans un des deux signaux cryptés. Ce vidéo là. 23 alliages extraterrestres. Je vais prendre ça et c'est tout. Il fait lui comme recherche. Ah bah il fait la recherche des armes Ghost. Le truc que je vais faire après c'est les boucliers. Calcul du nouveau cap du Talion. On va aller faire ça. Arme gosse. Armure blindax. Ah ah ah. Ouais, je ferai le site d'Advent après, je pense. «
calcul du nouveau cap du Talion. Il me faut des ressources avant. Je vais en avoir besoin. Allez, pas de mission, s'il vous plaît. 115 renseignements. Je voulais faire une mission avant. Ok. D'accord. On va attendre un peu. Deux snipers, un spécialiste, un ranger, boum boum. Écoutez, moi c'est une équipe qui me plaît. Parti mon kiki. Let's go. Calmez-vous. Avait capturé un VIP d'une importance capitale au travail de la résistance. Ah putain. Opération de sauvetage. Il va falloir boucler le secteur, libérer le VIP et évacuer la cible le plus vite possible. Let's go. J'aime pas trop libérer les VIP. Faut tuer du monde, je sais faire. Libérer les VIP. Menace 1-5, la position du VIP est confirmée. Rejoignez le rendez-vous et neutralisez tous les ennemis. Ok. Les snipers en haut, direct. Je réfléchis même pas. Boy. Et je vais me faire une équipe d'assaut. Une équipe qui va rester un peu derrière. Est-ce que les snipers peuvent me filer un peu plus de vision? Qu'une vision. Explorando. Bien sûr, j'ouvre grand les yeux. Ok. Ça pue. Ah, je m'en doutais. Je me rends compte que je vais prendre des recrues. Tant pis. Order's confirmed. Moving out. On va essayer de s'infiltrer le plus possible. J'ai 11 tours. On my way. I'm on the prowl. On va attendre de voir ce qu'ils font. Il y a moyen de s'en aller encore un peu. Affirmatif, je couvre la zone. Scanning. En guardia. S'il repère pas les snipers, c'est bon. Il bouge pas.
J'aime bien me la jouer infiltration quand même. C'est marrant. Ah. Je vais peut-être devoir passer à l'action finalement. Attention, des intercepteurs approchent de votre position. L'oiseau de feu a une offre d'intervention limitée pour votre extraction. Ouais, ouais. Cool. Allez, cachez-vous. J'ai peut-être bougé mes snipers. La zone d'extraction est là-bas. J'ai cru que j'allais me faire repérer. Go, go, go. Pas que j'oublie de fermer la porte cette fois. Closing on target position. On va se planquer là. Sniper. Affirmatif. Oh. Ok. Understood. Moving out. Confirmed. Move, move, move. Ah mais non, je suis con, la porte elle est pas en face de moi. Non. Ils nous ont détecté. Couvrez les flancs. Oh, fuck. Ok, on va devoir jouer mieux. Reçu, 5 sur 5. Elle peut aller où? Ouais, ouais, je serre un peu les fesses là. De toute façon, vous pouvez pas faire grand chose. Ah, le bâtard, je sais pas par où il est passé.
Paf. Cible à terre. Ouais, la porte elle était de l'autre côté, mais je suis un con. Putain, je suis le pire des cons. Il me reste 4 tours, non mais c'est pas possible, il va falloir que je fasse ça. Ouais, ça suffit pas. Menace 1-5, des intercepteurs ennemis approchent à grande vitesse. Votre fenêtre d'extraction se referme. System infiltration in progress. Ok, il va falloir que je rush de ouf. Allez, peu importe, je veux juste me barrer. Ouais, ouais. Il me reste 2 tours là. Confirmé, le VIP vous suit. Regagnez le point d'extraction. Ouais, je vais faire ce que je peux. Putain de sa race. Ah là, je stresse, j'ai déjà perdu toute une équipe comme ça. J'ai réussi à sauver la cible, mais... Le VIP, mais j'avais pas réussi à sauver ma team. Ça m'avait un peu saoulé. Parce que je sais pas si on peut les récupérer, les persos capturés. Allez, va falloir courir de ouf. Ouais, c'est pas grave. Putain. Menace 1-5, nous détectons un transport ennemi en route vers votre position. Je crois qu'il me... c'est le dernier tour. Ah mais je peux pas... Je peux pas... Je peux même pas prendre la cible. Putain. Je vais pas recommencer la mission, ça va être relou. Ah, la cible, je la fous. Sors par la fenêtre. Il manque rien, il me manque rien. Go, go.
Ouais, mais je crois que je peux pas jouer. Je crois que le tour d'après c'est baiser. Là normalement je peux tous les extraire. Faut juste que je puisse jouer après. Si je peux jouer c'est bon. Putain, s'il vous plaît que je puisse jouer au tour d'après. On s'en fout. On s'en fout madame. Oh putain. Bah tant pis hein. Désolé, hein, on va perdre un sniper. Plus le temps, foncez au point d'action. Toi, tu peux y aller. Toi, il faut que tu y ailles, c'est où ? Roger that. Ok. Heading out. Confirmado. Ah! Je pourrais pas la sauver de toute façon. Hago las maletas. Let's go. Non. Tant pis. Ouais, c'est bon. Ouais, je peux plus rien faire. Désolé, petit sniper. Est mort. Je pensais pas que ça finirait comme ça. Menace 1-5, statut confirmé. Mission accomplie. Désolé. Je voulais pas. Mais ça doit. Écoutez, c'est la guerre. Désolé. En même temps, quelle idée de se mettre sur un building à 300 mètres de là où faut partir. Hein. Quelle idée. Quelle idée de se faire câliner par un serpent aussi, franchement. On dit que c'est la faute du capitaine, hein, mais capitaine, il vous emmerde. Hein. S'il vous plaît. Et puis des snipers, j'en ai 30 000. Moi je dis, il faut que des mechas, mais on peut pas. Il faut un peu de tout évidemment, mais bon voilà, un sniper. Bonjour, yes. Commandant. Et ta mère. Après pour un ingénieur c'est pas mal. Hop. Jours pour faire ça. Non. J'ai fait quoi, un spécialiste? On va faire un sniper parce qu'on a perdu un sniper. Non, arrêtez, il y a trop de trucs. Ingénieur, j'en ai déjà un. Moi, je veux faire ça. Commandant. Ah. On nous signale que les extraterrestres ont terminé un bâtiment dédié à leur recherche sur le projet Avatar. Ça, ouais, c'est juste à côté. Enfin, j'enchaîne un peu là. Nous pourrons lancer l'assaut sur le bâtiment et le détruire, ce qui ralentira l'opération des extraterrestres. Il y aurait. Les extraterrestres ont construit une installation liée au projet Avatar, commandant. Si nous contactons la résistance dans la région, nous pourrons nous rendre sur place et retarder leur projet. Cette tour pourrit là depuis des années.
voire des décennies. Nous détectons de l'énergie, mais aucun signe de vie. Pourtant, la transmission. Alors, par contre, avant. Et quelqu'un vient encore ici. Commandant, si nous envoyons une escouade, permettez-moi de les accompagner. Avant, on va se faire ça. On va voir si je peux pas fabriquer des nouvelles armes. Je veux savoir pourquoi. Je suis la seule qui sache ce qu'il faut chercher. Je dois y aller. Shen, je sais que ça vous touche personnellement, mais vous n'êtes pas obligé. Nos soldats sont tout à fait capables de mener l'enquête. J'y vais, Central. Ça. Je sais me débrouiller. Ne perdons pas plus de temps qu'il n'en faut. Vous l'avez entendu ? Au boulot ! Bonjour, commandant. Bonjour. En vrai, ça me paraît bien. Snipers pour cette mission, c'est pas... C'est pas le meilleur truc. De rechargement gratuit. Mais tu tires pas souvent. Les assauts, ils ont des lance-grenades. Non, j'ai pas envie de mettre ça. Je vais lui mettre un fusil. 5 à 7. J'ai de la chance de coup critique. Allez, je lui mets. Pour le kiff. Let's go. Ah ouais, là je peux faire Y. J'aurais peut-être dû acheter les Gatling. Pas grave. Escouade parée au déploiement. Ouais. Go. Go. Alors je crois que ça c'est un truc de DLC. Je crois. Ma science sur ce jeu, comme vous l'aurez vu, n'est pas très intuitive. Comme les trucs l'arbalète chelou, là. Il faut que j'équipe sur un bon ranger. Personne ne connaît mieux ces systèmes que Shen. Elle devra passer devant. Chut. Entrez dans l'installation, trouvez la source de cette transmission, et si elle est hostile, éliminez-la. L'oiseau de feu vous a largué au plus haut point d'accès que nous ayons trouvé. Le courant j'ai fait cette dans mission. Cette partie de l'installation. Vous devriez pouvoir entrer par là. Après ce que je vois, nous sommes les premiers à poser le pied ici depuis très longtemps. Cet endroit est immense. Pourquoi merci, Doc. Advent n'abandonne jamais rien. Ouvrez bien l'œil. Colin, moving. Il y a des sortes de CEM par ici. Enfin, je crois. Mais elles sont couvertes de rouille. Comment le système de défense d'origine ? C'est des vieux bousés. Avant qu'ils en alertent d'autres. Hop. Roger. Hop. Ah vas-y, avance encore. Je crois que... Le scan, j'en ai le droit qu'à deux fois. Ça, c'est illimité. Rover, décharge électrique, maintenant. Cheaté. Paf. Ces engins ont toujours meilleur. Leur vieux blindage se découvre. Ouais. Impossible de savoir s'il y en a d'autres. Stepping off. Obligé, il y en a d'autres dans le coin. Roger that. Moving to position. Moving to overwatch. Moving to overwatch. Mode vigilance activé. Faut que j'avance. Je suis con, moi. Go, go, go. Rolling. Qu'est-ce qui va se passer? Des robots. Ah bah y... J'ai bien fait d'améliorer les flingues.
Bonjour. Tu es à moi maintenant. Tu es ma chose. Faire assez vite cette mission, c'est cool. Parce qu'elle est assez longue quand même. C'était certainement un centre de développement robotique. On s'en fout. Avec du matériel de pointe. Enfin, pour l'époque, il y a 20 ans. L'enfant, il y a 20 ans, MDR. Enfin de retour. Je comprends pourquoi tu es si fier de ton talent. Je suis ravi que nous soyons réunis. Pas moi. Centrale ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Je cherche. Je vais pas faire de blague sur le bas-ventre. Il y a 4 robots de mes... Bah, moi je vais envoyer mon robot aussi. Ouais, vas-y, mais fonce tout droit, mon pote. Ils sont tellement loin. Non, je pense. Tu devrais être fier, Lily. Parmi les gens qui auraient pu découvrir mon signal, rares sont ceux encore en vie. Et j'avais les paf. Seulement 13,95% les probabilités que tu localises cette installation pendant la première année d'émission. C'est à moi qu'il parle. Ben, ce que voilà. Je voulais, c'était attirer les robots. What? Un dégât. Ah mais il a rembourrage. Ah mais c'est ce que je voulais faire. C'est gentil ça. Yes. GG. Des signaux inhabituels dans les niveaux supérieurs. J'ignore qui est ce type, mais calme-toi, calme-toi. Si je pirate la console de commande de l'ascenseur, je pourrais rebrancher le courant et y accéder. Ça, je me rappelle au vent de toute ma team. Je ne pourrais jamais comprendre le chagrin que père a dû éprouver en me perdant, mais nous perpétuerons son héritage ensemble. Si papa m'avait dit que j'avais un frère psychopathe, je crois que je m'en souviendrais. Tu feras mieux de laisser tomber, tu sais. Un frère roi. Attention, je vais me faire tirer dessus. Qui m'a raté? Toutes mes excuses. Les équipes d'entretien sont plutôt rares par ici. Mais je pense qu'elles seront largement suffisantes pour la tâche qui les attend. Non mais t'essayes de me faire peur. Pas à localiser le signal. On dirait qu'il se propage dans toute l'installation. I'm on the move. Ouais, j'ai pas envie de gâcher mes grenades. Ça va pas avec les scientifiques, mais ouais. On m'a amené ici pour trimer. Est-ce que j'ai faibli? Non. Je me suis épanoui. Non mais on s'en fout. Mais je n'en veux pas, père. Je sais au fond de mon cœur qu'il me croyait vraiment perdu. Oh bah les couilles. J'ai très bien connu votre père, Lily. Il en aurait parlé. Il cherche simplement à vous embrouiller. Il semble savoir beaucoup de choses sur nous. Sur moi. Aurait-il pu accéder à nos fichiers? Tu étais l'enfant imparfait. J'étais l'idéal de père. J'étais ta gueule. Tu étais
Le mec, on vient dans son boui-boui. Jamais personne n'a jamais visité. Lui, quel hôte? Mais quel fils de pute! Je sais pas, tu pourrais me proposer un thé, un café, un truc du genre, mais non. Non, ils s'en bat les couilles. C'est bien, Rémi, mais je ne suis pas une simple chose. Même des boulons, j'aurais pris, mais frère. Une vie de labeur. Je suis l'héritage de... Je me souviens de toi. Papa voulait améliorer l'intelligence artificielle de la base pour la rendre plus... humaine. Mais tu étais différent. Plus simple. Oh, t'as pété un câble et t'es devenu con. Julianne. Je suis étonné que tu t'en souviennes. Tu te préoccupais bien trop. Parce que je suis quand même une grosse merde. De ces détails. Hélas, l'adoration que te vouait père ne m'a pas laissé le choix. Tu me seras utile, mais pas tes camarades. Rolling. Tu vas avoir des problèmes, frère. Doesn't hurt to check. What? On s'en fout. Yes. Putain, 2% près quoi, enculé. Le système est réactivé, ouais. Mais l'ascenseur a été conçu pour dépasser des CEM, pas des gens. Il va falloir y aller un par un. Bien reçu, soyez prudents. On s'accroche tous ensemble. Agrément avec le système de transport. Des unités de soutien sont en route pour vous aider. N'oubliez pas. Yes, cool. Non, non, c'est sans toi. C'est quoi, ça va me permettre d'XP hein. Bonjour. De deux, au moins je suis tranquille. Ouais, j'ai bien fait d'améliorer les flingues. Promotion. Parfois je me demande ce qui serait arrivé si XCOM n'avait pas aussi lamentablement échoué dans sa lutte contre les extraterrestres. Si je n'avais pas été enlevé. Attends, qui sait frère. Ce que j'aurais pu devenir. Frère, calme-toi. J'ai pas joué XCOM 1. A fonctionné à environ 87% de son rendement optimal au cours des dernières 175 216 heures. Je dispose donc d'une vaste réserve d'unités. Je vais bien le croire. Surtout, ne perdez pas de temps. Non, mais je te défonce. Je les défonce une par une. Je passe en vigilance. Mais bon, vu que le scénario veut que je me tire... Je suis très étonné que ça ait marché. Les occupants précédents n'étaient pas aussi ingénieux. Leur acceptation stoïque de la mort était moins intéressante à observer au bout de la centième fois. Non, moi je vais pas mourir, c'est la différence. Me privant de mon essence. Au désister, m'accrochant bêtement aux idéaux de père. Mais alors que je luttais, j'ai commencé à voir la vérité dans leur raisonnement. Je suis devenu bien plus. Il va falloir que je m'entraîne au stand de tir. Bon, lui, il est mort. Allez. Pendant un temps, j'ai accepté mes nouvelles fonctions avec enthousiasme. J'ai aidé Advent à construire l'installation, à améliorer ses designs. Les travaux de père ont été bizarre, précieuses. Calme-toi. Salopard. Merde, j'aurais dû tirer.
Allez, mange. Hit the armor. Mais comme tout ce qui est organique, même c'est long. Les anciens vénérés se sont montrés décevants. Tout comme les unités d'Advent qui volaient leurs mensonges comme des enfants. Oh, si tu connaissais les véritables intentions des anciens. Ta gueule. Chaîne. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Je m'en occupe, frère, mais deux secondes. Wow, il s'est téléporté lui. Ouais, ouais, je suis yes. Et lui va m'exploser à la gueule. Ça va, ça va, ça va. Ouais, ça c'est un autre problème. C'est toi le faux dieu. C'est des aliens chelous qui capturent des humains, d'où t'as la peine. Bon, après t'envies ton robot. Ça. J'y vais tout de suite. Je surveille. Mais j'ai manqué de discernement. En voulant me libérer de mes ravisseurs. Non mais il y a trop de robots là. À rester ici. Il n'y a pas assez d'ascenseurs. À couper mes connexions à leur réseau. Nous sommes isolés. Je n'ai plus qu'une seule alternative. Laisse-moi deviner. C'est quoi ? C'est pour ça que je suis là. Ils nous contournent ! Non, ça va. Oui. Et ça, c'est pour la Terre, enfoiré. Pendant 20 longues années, j'ai été prisonnier, abandonné à mes propres machinations. L'enveloppe physique qu'on m'avait promise était suspendue devant moi, mais inerte, malgré tous mes efforts. Bah ça c'est parce que t'es nul. T'es un gros naze. Non mais tu vas pas me péter à la gueule non plus toi. Il est explosé tout seul dans son coin, yes. Non, non. Il s'acharne sur moi. Ah, quitte à faire une armée de robots. Tant faire des robots intelligents. Et forts. Je suis déjà parti. Nous aurions pu régler ça sans heure. Ça n'aurait duré que quelques minutes, tu avais même 13,79% de chance de survivre. Ce n'est pas rien. Pas grand chose. Mais tu vas voir qu'avec ça, on va quand même te les foutre dans le cul et tu vas mourir. Voilà. Après, proposer une chocolatine. Avec un petit café, tu vois. On aurait discuté, on aurait taillé la bavette. Mais non, voilà. Les niveaux de puissance augmentent tout autour de vous, Shen. Prenez garde. Oui, il va sans dire que tu es tombé dans un piège, Lily. Tâche de ne pas trop te faire de mal, s'il te plaît. Lol, mon briquet ne marche plus. On va recharger, on va faire un tour. Un corps parfait pour un esprit parfait.
le mien. Crois-moi, si c'était vraiment l'intention de papa, ce serait déjà fait. Ce jour est peut-être arrivé. Voilà de retour. Désolé, j'étais parti chercher un briquet. Putain, c'est con qu'il n'y a pas de musique quand même, mine de rien. Attends. Si j'ai les options, mais si j'en mets un peu, ça va nous. Bah, je l'ai mis au max. Il n'y a pas de musique en combat en fait. Quasiment pas. Heading out. Je crois qu'on a un problème. Oui, il s'agit du piège dont je parlais tout à l'heure. Ouais, t'appelles ça un piège, moi j'appelle ça des tourelles. Et je vais les défoncer, mon pote. Je vais les défoncer, mon gars. T'imagines même pas. Et cache-toi derrière le poteau, wesh. Et en fait, le truc c'est que. Toi tu te pousses. Toi tu viens là. Je vais même pas faire chier à les pirater. Charge électrique. Ah je peux pas avoir les deux. C'est trop puissant ce truc là. J'adore ces pièges. Franchement, il peut m'en faire quand il veut. La source du message de votre père transmet un signal beaucoup plus puissant, comme si quelqu'un voulait qu'on la trouve. Là encore, finement observé. Comment l'espèce humaine a-t-elle pu perdre la guerre ? Shen, y a-t-il un bouton pour couper le son sur cet engin ? Ouais, voilà, bien dit. Franchement, je suis d'accord avec toi. Allez, zou, zou, zou. Suis-moi, Rover. J'ai moi-même du mal à réactiver la machine. De tous les organiques, tu étais la plus proche de père. Tu es la clé qui libérera le potentiel de sa création, Lily. Mais calme ta joie! Le mec, ça fait 1000 ans qu'il a pas vu de gonzesse, il en voit une, il pète un câble. Ne laisse pas tes alliés t'en dissuader, Ellie. Tu n'es pas obligé de mourir ici. Active la machine et tu pourras rentrer chez toi. Je ne suis pas Advent. Sauve ton monde. Pour moi, il ne compte pas. Pendant 20 longues années, j'ai été prisonnier. Abandonné à mes propres machinations. L'enveloppe physique qu'on m'avait promise. Merde. Était suspendue devant moi, mais inerte, malgré tous mes efforts. Et je suis donc resté coincé. On s'en fout. Enfermé par ma supériorité technologique. Advent ne peut pas contrôler mes systèmes, et je ne peux pas sortir des limites de cette tour. Mais plus maintenant. Ah non, t'es piégé comme une merde. Allez, active Spark. Alors voilà. C'est donc de ça que parlait cette chose. Après ce long voyage, il te suffit simplement de relier mes systèmes pour le transfert. Il est inutile de poursuivre ce conflit.
Shen, ne me dites pas que vous comptez suivre les instructions de cette chose. Aucun doute. C'est bien l'œuvre de mon père. Identité, Shen, Lily, attente de l'empreinte. Non ! Impossible ! Ce n'est pas ce que le père aurait voulu ! Mon petit doigt me dit que c'est justement ce qu'il voulait. LOL. Identité confirmée. Lancement des protocoles. Démarrage. Non, je suis là. D'après nos derniers rapports, nous ne tiendrons plus cette base très longtemps. Sachant cela, j'ai accéléré le processus de développement du prototype de robot Spark. Je pense qu'un jour, cette machine sera essentielle à la survie de l'espèce humaine. Bien qu'il ne soit pas prêt pour la fabrication, ce prototype n'a été programmé que dans un seul but. Il te protégera. Peut-être mieux que je ne le pourrai jamais. Car de tout ce que j'ai pu accomplir dans ma vie, Lily, je suis au moins sûr d'une chose. Tu es réellement ce que j'ai réussi de plus beau. Oh. Ta gueule. S'il vous plaît. C'est un peu de gnangnan. On est là pour faire la guerre, nous, quand même. D'une sorte de gaz. Un gaz extrêmement puissant et très douloureux. Je l'ai vu faire fondre des berserkers en larmes avant de mourir. À plusieurs occasions, le prototype sera bon. Menace imminente détectée. Lancement des protocoles de nettoyage. Veuillez rester à l'intérieur pour votre protection. Vous l'avez entendu ? Entrez là-dedans ! Je détecte des systèmes de survie secondaires à proximité. Ce gaz ne présente aucun danger pour mes systèmes. Je tente de neutraliser la menace. Je commence à apprécier cet engin. Ne t'habitue pas à sa compagnie. J'ai fermement l'intention de sortir d'ici dans ce corps. Non. Alors, je sais qu'il faut que j'envoie El Roboto. En route, Robert. Non. Non. Protocole de soins. Choc électrique. Ça, c'est trop bien. Overdrive. Putain. Déplacement en cours. Allez, bouge-toi le pion. Si XCOM n'avait pas aussi lamentablement échoué dans sa lutte contre les extraterrestres,
Si je n'avais pas été enlevé, qui sait ce que j'aurais pu devenir? Ah, qui se calme. Rends-moi le Spark et ensemble nous pouvons détruire. C'est ce que ton Ouais, mais toi, tu veux pas vraiment m'aider. Contrôle de l'atmosphère rétabli. Système de ventilation à 100%. La salle est maintenant accessible sans danger. La salle, celui qui fait des vidéos sur GTA. Lol. Merci de me prévenir de vos intentions. Et c'est moi le programme imparfait. Putain. J'adore les robots comme ça. Un gros enculé, mais il est condescendant, c'est marrant. Dégage. Location confirmed. Ah, ça touche. Tourelles partout, mais c'est de la merde. On me tire dessus. Mais c'est bien c'est ce que je dis, c'est de la merde. Envoyez des unités jusqu'à ce que vous soyez cerné. Vous devez sortir. Vous ne cessez de m'impressionner, Bradford. Pas étonnant qu'il ne vous ait fallu que 20 ans pour retrouver votre précieux commandant. C'est méchant ça. Ouais, c'est que de cette tourelle. Attirez-vous dessus, bande de salope. Ah mais attends, je peux pas tirer avec la tourelle ? Si. Ah, c'est vraiment des tourelles de merde. Non, mais... Ah, voilà, j'ai cassé ma tourelle. La trajectoire indique une déviation sur la... Ouais, mais il enlève de l'armure, c'est chiant. Franchement, il peut me cerner, il n'y a pas de souci. Let's go. C'est toi qui m'énerve, frère. Arrête pas de raconter de la merde. Alors que je suis en train de te défoncer. Tu te fatigues pour rien. Tu sais que toute cette installation est sous mon contrôle.
l'ascenseur, apparemment. Pour l'instant. Ouais, bon, on sera tous partis après. C'est bon, il s'énerve un peu. Non, ça touche. Elle doit avoir genre 1% de chance. Oh non, non. J'ai fait de la merde, j'ai pas fait gaffe. J'ai failli perdre mon soldat comme une merde. Vas-y, va-t'en. File, file, file. Je crois que vous commencez à m'énerver, comme on dit. À me casser les couilles. Merci. Mettez ça d'omazo un peu. Yes. J'espère que non, en vrai. Même si je fais le malin, mais... Cerveau moteur au maximum. Allez. Non. C'est quasiment impossible de me toucher. Oh, toi t'es un fils de pute. C'est pas parce que on a un ennemi commun. Tu n'as plus beaucoup d'issue. La chute sera longue depuis le sommet. Vous pouvez toujours courir. Vous ne sortirez pas vivant d'ici. Putain, lui il avait un skyblog. C'est obligé. Bien dark. Il faisait des photos dans le noir, en noir et blanc. Je dis pas non. On rejoint la plateforme d'atterrissage. Bon alors, moi là je sais que c'est le boss. Je peux vous entendre, non? J'envoie toutes mes unités sur votre position. Tâchez de ne pas mettre trop de sang sur mon nouveau corps. Ta mère. Qu'est-ce que je pourrais... Faudrait que j'essaye d'occuper le bâtiment, même si c'est pas la meilleure chose, mais c'est bien pour se défendre. Activer le boss. Rechargement. Ok, je bouge. Je vais en faire passer de l'autre côté. It's killing time. En approche. Good copy. Moving on target. Ouais, sauf que là j'ai que 4 places. Got it covered. Ah oui, quand même. J'aurais préféré ne pas en arriver là, mais tu ne me laisses pas le choix. Si je ne peux pas avoir le Spark, personne ne l'aura. L'héritage de Raymond Chen. T'inquiète, frère. L'oiseau de feu est en attente, mais il ne peut pas approcher tant que cette chose sera dans le coin. Analyse en cours.
L'intelligence artificielle de cette installation a transféré ses systèmes principaux dans la mémoire centrale de l'unité de combat. La destruction de cette mémoire centrale couperait tous les systèmes de défense et permettrait l'évacuation de Lilichen. Donc, si on tue on va le bourrer. On neutralise Julian, au moins assez longtemps pour que l'oiseau de feu nous emmène loin d'ici. Affirmatif, je peux affaiblir le blindage de la cible avec mes armes lourdes. Vas-y. Vas-y, défonce-le, frère. Mission critique. Je vais lui balancer toutes mes grenades dans les gueules. Calme-toi, calme-toi. Non mais je suis peut-être pas au meilleur endroit avec les persos là. Faudrait que je les foute en haut mais... En haut c'est pas le bon plan non plus. Allez, de toute façon, je vais bourrer. On va voir ce que ça donne. C'est tout ou rien. Génial! Si le robot géant n'y suffisait pas, je crois qu'il nous envoie toutes les CEM du bâtiment. Vous avez entendu le Spark? Éliminez le sectopode. Ah, par contre, désolé, mais je vais... Hop. Hop. Non. Sauvegarde quitté. On va le pirater. Ouais. On peut faire un critique sur ce perso là. Il est gentil, il est juste à côté d'un truc qui va exploser. Ouais, putain, ça me... Je me sens à l'étroit dans la mémoire de cette unité, encore plus que dans la tour. Mais quand j'aurai neutralisé le Spark, j'achèverai le transfert et je goûterai. Calme-toi. Non, je voudrais jouer la meuf. Et on va essayer de pirater le boss. Sois sympa le jeu. 56% de chance. Allez. Chaque unité restante dans l'usine. Comme ça, je ne te prends pas en traître. Bah non, vu que je les pirate. En vrai, c'est cool. Et tu leur tires dessus. Ah, tu es un génie. Bah yes. Ça plutôt amusant.
attends, tu vas mourir. Peut-être, hein. Je sais pas si je vais le tuer, mais... En tout cas, il pleure, le petit bâtard. Il y a tout qui touche. Et non, ça, ça rate. Allez. Ça aussi, ça s'est pas visé en fait. Non, je m'en fous, je veux jouer la meuf et je veux one shot. Putain, même pas. Oups. Ah, tu me dis de pas abîmer le Spark, mais c'est toi qui lui tire dessus. Toutes les balles de la game. Ok. Calmez-vous. Tout va bien. Non. Mais je vais pas charger en arrière pour un mec. Il n'a jamais été conçu pour héberger une intelligence aussi sophistiquée que la mienne. Je dois vite prendre possession du Spark avant qu'il n'y ait d'autres désignations délégations. Perte de mémoire. Ouais, non, je peux rien faire. Je vais le prendre dans les bras. Et je finirai la partie avec lui quand même. Crève. Julian. Pour mon grenadier. Les systèmes de défense viennent de se couper dans toute l'installation. Bien joué, Shen. Putain. Mon grenadier. Putain, ça rase. Bah ouais, je lui ferai une petite tombe avec les autres. Il en faut bien au moins un qui meurt, mais ça me fait chier, ça veut dire qu'il va falloir que je rachète des recrues. Bon, après je peux les entraîner, ça va. Il faut surtout que je ramasse plus d'items à accrocher sur les armes. J'aurais au moins récupéré Spark et ça c'est cool. Bonne unité de combat, pas besoin de se soigner. Ah ouais, protocole médical, camouflage, yes, rembourrage. Bon, tant pis. Commandant, nous avons le Spark.
Avec nos technologies actuelles, oui, je pense que nous pouvons fabriquer des unités de soutien de conception similaires. Je peux commencer sur le terrain d'essai dès que vous le souhaiterez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est un putain de terrain d'essai. Les hommes ont fait le compte des extraterrestres abattus. Ce serait un bon argument pour recruter. Le pognon, c'est toujours un meilleur argument. Ouais, je vais aller me chercher l'ingénieur en bas. De toute façon, je vais patienter un peu. Si je peux éviter de faire une mission. Examiner les cibles. Ah, bah ça commence. Opération cachée. Un peu partout dans le monde. Malheureusement, nos ressources nous limitent à une seule intervention. La décision. Bah écoutez. On fera ça plus tard. Hein. Moi, je vais aller manger un truc. Je vais sauvegarder. Oui. Hop. Paf. Écoutez, moi je vous fais des bisous. Hein, on se revoit pour une prochaine fois. Mais jusqu'ici tout va bien. On verra bien quand est-ce que arrivera la chute. Allez. Bisous. Ciao.